Bienvenue à tous depuis New York, la capitale du monde. Je suis Valerio Saint-Louis pour la présentation de ce magazine télévisé. Téléimage, au cours de sa récente visite en Haïti, a eu le privilège de réaliser une interview très intéressante avec le Premier ministre, M. Laurent Lamothe. Au cours de cette interview, des questions relatives à la situation sociopolitique et économique du pays ont été posées au chef du gouvernement. Après presque 3 ans d'administration, nous avions voulu avoir une idée de ce qu'a réalisé le gouvernement dirigé par M. Lamothe. Il nous dira lui-même ce qu'il en est dans cette longue interview qu'il nous a accordée chez lui à Port-au-Prince. Mesdames et messieurs, nous vous proposons donc de suivre avec intérêt cette entrevue en plusieurs séquences, il faut dire. Alors restez des nôtres car nous vous revenons juste après les messages de nos commanditaires. This edition of Téléimage brought to you by La Parfumerie de Barbara. The best exotic French perfumes and cosmetics from France and Europe. La Parfumerie de Barbara. www.needperfumes.com 516-805-2318. Also brought to you by Téléimage Productions for the greatest moments in your lifetime. Téléimage Productions, videography and photography, masters of ceremonies, MCs, DJs and more. Special packages for the special moments of your life. Téléimage Productions, 516-805-5410. Don't forget to log on to www.teleimagetvshow.com. Ane sa, avantage la, se nan King's Infinity ki nan Brooklyn nan liye. Gros avantage, gros bénéfice pou communauté haïtienne la nan King's Infinity. Depou ta gen intention achete une machine brand new tout neuf ou bien pre-owned deuxième main, c'est vin pour avantage nan la. La nan King's Infinity ki nan 20 Neptune Avenue nan Brooklyn, New York. Nan King's Infinity kon gen bon crédit, kon gen mauvais crédit ou soit pas gen crédit même, ou gen doit choisir une belle machine dernier modèle Infinity jodi a la et pour conduire sorti à la caillou même jour. Nan King's Infinity yo vend toute qualité, toute marque machine pre-owned deuxième main à bon prix. Et puis avantage même, c'est manager Rigo Simon qui pote pour communauté haïtienne. Moi c'est Rigo Simon, général manager dans King's Infinity dans Brooklyn. Même j'aime te confier dans Long Island, m'a continué ba nous même avantage là. Depuis acheter machine dans King's Infinity dans Brooklyn, m'a ba nous 3 mois gratis. Ou pas besoin pour payer rien. Bien écoute, prends devant fond passer à regarder belle machine yo gen pour jodi à la dans King's Infinity qui dans 20 Neptune Avenue dans Brooklyn, New York ou bien relé dans 718 646 3331 718 646 3331. King's Infinity, c'est là avantage là. Le parfum classique de Jean-Paul Gaultier. C'est un gentleman très confortable dans son environnement, décontracté et à l'aise devant la caméra qui a répondu à nos questions. Des questions, je dois avouer, qui parfois étaient pertinentes, parfois osées, mais qui ont trouvé des réponses. Laurent Lamothe, Premier ministre, nous a permis de lui poser toutes sortes de questions, sans préparatif, sur le vif et à brûle-pourpoint. En effet, les questions posées et me venaient à la tête au cours de l'entrevue et de façon spontanée, je posais des questions. Juste avant de nous asseoir à l'emplacement choisi pour l'interview, le Premier ministre nous a fait un petit tour des jardins qui abordent une piscine et plantés d'un décor bien approprié. Il nous a ensuite présenté à Madame Gisou Fortuné Lamothe, oui, sa chère maman. La mère du Premier ministre qui nous a accueillis avec un large sourire sur les lèvres et une hospitalité très cordiale. Madame Lamothe, il faut dire, est la mère du Premier ministre, évidemment. Elle est une artiste chevronnée, avec comme passion la peinture, la sculpture et la céramique. Laissez-moi vous dire que Madame Gisou Fortuné Lamothe a un long et impressionnant palmarès à son actif. Elle a étudié les arts décoratifs de Fomento de las Artes en Espagne. Elle a fréquenté l'Académie des Beaux-Arts à Madrid. Elle a entre autres participé à la Biennale de São Paulo au Brésil. Elle a aussi reçu le prix d'originalité à Barcelone, en Espagne, un prix assez intéressant. Et il faut dire aussi, il faut mentionner qu'elle a réalisé plus d'une trentaine, écoutez donc, une trentaine d'expositions, ceci en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, aux États-Unis et certainement en Haïti. Téléimage a eu donc la chance de visiter l'atelier de travail de l'artiste Madame Lamothe. Là, nous avons découvert les talents de sculpteur et l'âme d'artiste de la mère du Premier ministre. Toute une variété de sculptures et de poteries inspirées de l'époque précolombienne et des Taïnos. Des pièces d'art bien préservées et prêtes pour une exposition au Festival d'art à l'Hôtel Oasis, dont les bénéfices ont été au développement des quartiers de Jalousie à Pétionville.
Nous voulons partager avec vous le plaisir que nous avions eu à rencontrer Madame Lamotte, la mère de Monsieur le Premier ministre. Nous avions aussi fait connaissance avec une artiste, une dame au grand cœur, une artiste philanthrope, une fervente citoyenne de son pays et évidemment la mère d'un Premier ministre. Mesdames et messieurs, juste avant l'interview avec notre Premier ministre, Monsieur Laurent Lamotte, faisons connaissance avec sa chère maman, Madame Gisou Fortuné Lamotte. Beaucoup de travail. C'est dommage que tout est couvert, vraiment. Oui, je comprends. Laissez-moi au moins dévoiler un peu. Et c'est le matériel aussi. C'est l'argile. Après, c'est la plus grosse pièce, au fait. Oui, la cuite, oui. Le cuite déjà fini. Déjà. La production est finie. Donc ça paraît pour les... que c'est bien fait normalement pour les... Tu vois? Lorsque c'est cuit, c'est cette couleur. L'argile, l'argile haïtienne. Très bien. Oui. L'argile du plateau central. Intéressant. Laissez-moi vous montrer ça. C'est très joli aussi. Ok. Et le style, est influencé par quoi exactement? Là, je vois un petit peu l'Afrique. Non. Oui, l'Afrique la Méditerranée, aussi. La Méditerranée aussi. Et les Sud-Américains. Sud-Américains, ok. Surtout. D'accord. À cause de tout ces voyages. Oui, c'est ça. Voyager par l'Amérique du Sud. Ok. Fais attention. Ça arrive. C'est pour ça. Vous dites, ce sont des... Il y a ça qui est très joli. Avec ça, c'est joli. Des ça, applications c'est... de oui. métal. Ça, c'est différent. Oui, c'est différent. Wow. C'est dommage, vous voyez le tout ensemble. Oui, mais on a une idée. C'est très joli. Oui, on voit ça avec les... Il y a les applications différentes, mais c'est le métal toujours. Les verres soufflés. J'ai une assiette aussi qui est pareille, qui est très jolie aussi, c'est ça. Oui, on voit ça. Non, pas ça. Laissez-moi prendre ça. Donc, tu as combien de pièces pour la... J'ai 65 pièces là. Wow. J'ai plus 13 tableaux. Aussi de carreaux de grès peints avec la glaçure. Ouais. C'est une grosse exposition. Ouais. Je crois que tous les. Mais c'est grâce à la peinture d'ailleurs qu'on arrive à faire. La sculpture. On arrive à faire la sculpture, la décoration de toutes ces choses. On n'aurait jamais pensé que la mère du Premier ministre serait une artiste accomplie avec une carrière de 40 ans. Hein. Oui, c'est toute ma vie. Oui, on voit passion, on voit la passion dans les œuvres. C'est la passion. C'est ça. Pardon. Là, finalement, on regarde certaines pièces et créées de la mère propre de la mère du Premier ministre, M. Laurent Lamotte, madame qui déjà offre un festival d'art, Gisou Fortuné Lamotte. Au bénéfice de jalousie, on va parler de ça rapidement. Au bénéfice de jalousie, c'est donc c'est au profit de jalousie. Hein? Au profit de jalousie, donc l'argent qui sera. Donc c'est comme le fonds de l'union. C'est à vendre, tout est à vendre. D'accord. Et tout le bénéfice ira au programme de jalousie. Intéressant. Ou jalousie. Ça, c'est bien. Yeah. Ça, c'est bien. Donc il y a un côté. Il y a un côté social. Social, là-dedans. Absolument. C'est ça. Il y a des gens qui auraient déjà soi, des histoires à l'étranger, qui auraient aimé peut-être participer. Ça, c'est carrément quelque chose qu'on peut les inviter aussi, peut-être. Est-ce qu'il y a un site internet, est-ce qu'ils peuvent eux aussi aller participer à cette exposition virtuellement, si possible? Ah bon, mais je suppose que oui. Okay. Il faudrait peut-être contacter Festival Art. D'accord, Festival Art. Marialiste et Art. Ok, voilà. Très bien. Yeah. Intéressant. Et que dit votre fils quand il va occuper en train de, concocter vos pièces? Hein? Bon. Mais je suis là à travailler depuis près d'un an, hein, c'est ça. Monter tout ça, faire tout ça. Donc le Premier ministre s'en vient à Paris, c'est du côté... Non, mais il fait autre chose. Oui, ah oui. Mais, il s'occupe du pays, le gouvernement. Vous savez de quoi nous sommes pareils. Ok. Dans la continuité, dans la volonté de faire quelque chose, mais de le faire bien. Ça, c'est bien. En ça, nous sommes pareils. Très bien. La volonté. Très bien. Et de faire. De faire bien. C'est ça, de bien faire, c'est ça, c'est important. C'est ça. Ce n'est pas n'importe comment. Ce n'est pas des choses ordinaires. C'est ça. Invention, créativité. C'est ça, la création. C'est lui aussi et c'est moi aussi. Vous savez, nous sommes pareils en ce sens.
Tout à fait, on dénote aussi la patience et le courage pour faire tout ça. Patience, ouais. Persévérance et ouais. Persévérer dans ce qu'on veut faire bien. Ouais. Et puis d'avoir le courage de le faire. Donc prendre une décision, il faut avoir le courage d'arriver jusqu'au bout. C'est ça. En d'autres termes, madame, vous accompagnez quand même votre fils dans son travail. Travail très difficile, tâche très difficile de gouverner, puisque vos œuvres artistiques, vous les carrément mettez disponibles au public pour aider Jalousie. Oui. Et pour qui ça? Pour qui vous voulez faire ça? Comment? Pour qui vous voulez faire ça? Une expression d'art pour aider et mon Jalousie. Premièrement, l'homme vini, l'homme entré, programme n'a pas trop démarré. Très bien. Peut-être un an après, je suis venu, il était dans mes courses, monté Pétionville. Mm-hmm. L'homme, moi, c'est petit caille ça. Il était péturé parce que je me suis dit longtemps. Il était tout blanc, il était tout terne. Il était tout. On est hyper misérable, on sentait les problèmes qui étaient gagnés. Et l'homme, moi, là, péturé, toutes ces couleurs. Qui t'a rappelé les tableaux de Préfète Dufaux d'ailleurs, bien, c'est ça. On a rappelé. Mais mm-hmm. Mes amis, ça, vraiment, ça sont merveilleux bagages. C'est un programme extraordinaire et au point de vue environnement, ça va changer l'environnement de Port-au-Prince, de Pétionville, en général. En plus de ça, il fait un apport touristique, tout. Parce que on t'a trouvé que c'était formidable. Et le projet m'a tellement travaillé, travail tête m'a tellement là-dedans, on était tellement enchanté de voir quartier ça, qui vient avec les couleurs, ils ont leur caractère, ils dépendent leur caractère. C'est peut-être pas la joie de vivre, mais quand même c'était le courage de vivre et de vivre. En couleur, on ne parle pas en noir, on est en couleur. Mais dis non, il faut faire une bagaille. Vous connaissez pour encourager ça. Oui. Vous faites ça, ça va rapporter combien? C'est peut-être une goutte d'eau. Tout à fait. Vous comprenez? C'est ça. Donc, un projet pour ça, c'est un projet de millions de dollars. C'est ça. Que l'État, peut-être lui-même seul, pas capable d'achever. Mm-hmm. Mais moi, je dis, m'a fait ça. Ce que ça rapportera, ma baille. Mm-hmm. Il a fait ça, il est capable avec lui. C'est tout. Ça, c'est bien. Bon ça a été bon comme un coup de cœur. C'est ça. Ça a inspiré au fait. C'est tout. Mon Dieu. Merci beaucoup. Merci. Merci à notre pays. Merci. Parce qu'il y a un pile de monde qui a regardé là, sur la diaspora. Il est touchant, il se dit, il est touché parce que, à votre âge, vous avez passé une nuit pour faire ça et puis pour être capable. Aider tout notre travail. Oui, au fait, pour qui ça pour Mdavel? Oui. On est arrivé à un certain âge, mais quoi tout. Il y a un pile de bagages qui pas intéressé ou personnellement. C'est ça. Autant que l'était intéressé ou l'autre beaucoup plus jeune. Okay. Mais arrivé à un certain âge, ou quand vous détachez, mm-hmm. Surtout du matériel, du bagage. C'est ça. Ou détacher vous et vous mettre d'une certaine façon au service de l'autre, au service des autres. Et je crois que c'est ça, une dernière satisfaction pour gagner dans la vie. Pouvoir donner. C'est ça. C'est bien. C'est donner. Vous êtes en Haïti, venez découvrir le pays. Qui t'aime mener? Qui t'aime mener? Venez juste là, je vous. Quittez nous maintenant, venez découvrir les talents artistes. Quittez nous maintenant, jouer une tradition. Quittez nous maintenant, découvrir les saveurs gastronomiques. Quittez nous maintenant, vivre la musique. Quittez passion. Quittez nous maintenant et découvrir l'histoire. Come to Haiti. Discover the soul of the Caribbean.